Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser les nouveaux défis de l'été cosmique sur Fortnite. Alors les trois nouveaux défis de l'été cosmique vont vous demander de parcourir 5000 mètres dans un X4 Aquilon dans l'escadrille de l'effroi. Alors le deuxième défi va vous demander de dépenser des pièces pour acheter des objets dans le distributeur automatique dans l'escadrille de l'effroi. Et le troisième et dernier défi va vous demander d'éliminer des joueurs en étant à bord d'un X4 Aquilon dans l'escadrille de l'effroi. Alors l'escadrille de l'effroi normalement arrivera à l'affiche prochainement, mais je vais vous montrer comment accéder à la map d'une autre façon. Donc vous allez en mode créatif, ensuite vous allez dans découvrir, ensuite vous appuyez sur L1 pour entrer un code de l'île. Et le code que vous allez devoir noter, c'est le 1 2 3 4 7 6 0 9 6 1 0 8. Ce sera une map créée par Zenix qui s'appelle Freaky Flight. Donc là, vous lancez le jeu et ce que vous pouvez faire déjà en tout premier lieu, c'est de réaliser le défi qui est de dépenser des pièces pour obtenir des objets dans le distributeur automatique. Donc il va falloir obtenir 50 objets. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des munitions parce que ça coûte que 5 pièces d'or. Vous démarrez avec 200 pièces d'or. Donc si vous achetez des munitions et que c'est compris pour le défi que ça compte comme un objet, et bien là, vous pourrez acheter directement 40 objets parce que vous avez 200 pièces d'or et que les munitions coûtent 5 pièces d'or. Donc si bien sûr ça ne fonctionne pas avec les munitions, il faudra peut-être acheter des armes, des potions de bouclier ou alors du soin. Alors pour le deuxième défi qui est de parcourir 5000 mètres dans un X4 Aquilon, c'est tout simplement un avion. Donc là vous sortez de la base navale, vous allez sur le pont et là vous allez voir qu'il y a plusieurs avions. Donc vous vous équipez d'un avion et ensuite vous parcourrez 5000 mètres avec l'avion. Et pour le dernier défi, là vous allez devoir éliminer 25 joueurs en étant à bord de cet avion. Bien entendu, là pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui jouent à ce mode de jeu. Mais quand le défi sera disponible, il y aura plus de joueurs. Donc là, vous aurez juste à faire 25 éliminations pour terminer ce défi et tous les autres défis. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.